Merci de nous écouter ici à Conakry sur la 95.3, mais aussi à Kindia sur Kanyazi, que vous nous écoutez également sur Fraternité du côté de Mamou. Merci de nous écouter à Diagissa, c'est dans la préfecture de Dalaba, mais aussi en Haute-Guinée et en région forestière grâce au réseau synchronisé de Dabo Média. Lincoln, on reste avec vous, Mirador Sacré. Meilleure émission du Grand Prix d'impact social et économique. Oui, c'est de la joie. Hier soir, on a vécu en tout cas cet événement du côté d'un hôtel en ville. C'est un événement qu'on appelle Tono 224, organisé par MAOG, la maison d'association de Guinée. Vous avez d'ailleurs représenté. Oui, radio. En collaboration avec, bien sûr, Dounet Communication. Et là, il y a eu beaucoup de prix. Des entreprises, des ONG ont été primées, des personnes ressources primées, mais aussi au niveau des médias. Et c'est là où la surprise, en tout cas, a été très agréable pour tout le monde. En même temps, ce n'est pas une surprise. Hein? Oui, j'en viens. Mirador Sacré, meilleure émission. C'est le premier prix de l'année, ça veut dire qu'on aura beaucoup d'émissions. Il y a beaucoup d'images qui circulent par rapport à cela. Alors aujourd'hui, la satisfaction dans la salle, c'est que j'ai entendu dire aux gens, mais ce n'est pas une surprise, puisque après vous, c'est qu'il n'y a rien. Et ces mots, Khalil Diallo et moi avons représenté toute la radio, nous ont très confortés et toutes les personnalités dans la salle et tout le public qui était venu a ovationné en tout cas ce prix et les gens ont estimé que c'est pratiquement le mérite. On avait la chair de poule, je l'avais dit à l'occasion de cette cérémonie, que nous sommes un média pratiquement bébé parce que nous n'avons que 2 ans. On vient d'entamer juste la troisième année de notre... On est bébé, mais on est vieux. Non, vous savez ce que je dis, on est bébé, on vient juste d'entamer la troisième année de notre aventure à travers tous les efforts fournis parce que l'effort fait l'effort. Si aujourd'hui, on arrive en tout cas à être dans le cœur même des auditeurs de la République, c'est que nous sommes très reconnaissants. Et surtout, nous sommes comblés de joie et nous savons que tout le travail que nous faisons ici, vraiment, n'est pas voué, en tout cas, à l'échec. Et merci à la direction, merci à l'ensemble du personnel qui se déploie nuit et jour et avec abnégation pour servir ses auditeurs qui ont confiance en nous. Et en tout cas, merci pour tout. L'aventure continue et on fera de sorte que eux, auditeurs, ne soient pas tout dessus de ce que nous donnons en termes de contenu à travers toute la grille de notre média. Et bientôt, Inch'Allah, on aura film 24. Allez-y. Oui, ce prix aussi, c'est l'illustration aussi de la vision aussi du DG Aboubacar Diallo, il faut reconnaître, qui a tout mis en œuvre avec notamment le collège des directeurs en prenant le temps de rédiger page par page d'abord ce projet et puis ensuite en le mettant en application grâce à la participation de l'ensemble donc des employés, des journalistes, des techniciens qui sont debout donc du matin au soir pour notamment faire fonctionner ce média. C'est vrai que ce n'était pas évident avec ce concept nouveau. Au départ, ce n'était pas du tout évident, mais aujourd'hui c'est... Oui, c'était pas évident. On ne croyait pas du tout. Les Guinéens, beaucoup étaient pessimistes, mais il fallait la vision donc d'un homme et puis entouré notamment de ses proches pour mettre donc en application tout ce qu'il avait pensé. Mais ce prix aussi, c'est l'illustration parfaite, notamment notre détermination, de l'engagement du personnel, des journalistes, des techniciens, des animateurs, notamment à œuvrer pour faire de cette radio une chaîne d'information en continu. En tout cas, nous allons continuer à servir le peuple de Guinée, les citoyens, notre engagement, notre détermination ne fera pas défaut. Bientôt, film 24, d'ailleurs. Donc, on a plusieurs émissions qui arrivent. Je parle sous la coordination, notamment des programmes. Et nous allons travailler à ce que les Guinéens continuent d'être mieux informés sur les réalités de la Guinée et pourquoi pas du continent et du reste du monde. Yaya, j'imagine que c'est un honneur, hein, de rejoindre cette aventure, l'aventure de Mirador cette année. Vous avez rejoint l'équipe. Et ça fait quoi de savoir que Mirador est encore primé, hein? C'est un motif de satisfaction. De micro, Yaya. Oui, je disais que c'était un motif de satisfaction, un motif de fierté. Alors, cela me rappelle un peu ce que le sociologue français des médias, Rémi Riffel, a théorisé sur les médias. Il a utilisé une expression assez frappante qui dit que le type de journalisme que nous sommes en train de faire, c'est un journalisme de captation et de décryptage. Alors, à travers cette émission Mirador, justement, nous faisons du décryptage de l'actualité, nous faisons
une analyse des faits sociaux, de tout ce qui se passe dans la cité. Et ce journalisme de décryptage-là, il va remonter les préoccupations les plus inaudibles de nos compatriotes, qu'ils soient en Guinée, mais aussi hors de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes devenus une vitrine. Et je pense que, comme l'a dit Bassekou, c'est d'abord une vision du directeur général, M. Aboubacar Diallo, qui a réussi quand même à réunir une équipe de gens compétents et qui ont une expérience également, qui ont pu ensemble dérouler cette vision. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut féliciter toute cette équipe qui travaille nuit et jour pour aujourd'hui continuer à servir les Guinéens, mais aussi attendre à beaucoup d'autres consécrations, beaucoup d'autres distinctions qui vont venir. Ce n'est que le début. Et ben, je pense que voilà, on est parti pour encore inspirer dans la sous-région, parce qu'aujourd'hui, Mirador, cette émission est suivie hors de notre pays. Nous avons le feedback, un feedback vraiment intéressant. Positif. Oui, très positif. Je pense que nous devons continuer à travailler encore dur pour maintenir et pourquoi pas aller plus loin. Félicitations donc à toute l'équipe. L'aventure continue.